Noob, tu t'es payé une armure. Une armure? Je l'ai crafté mon armure avec. Avec la cendre des ennemis que j'ai vaincus. C'est beau ça. Là-bas. Avec des vagabonds pour être plus précis. Que j'ai écrasé de mes mains. En parlant d'abonnés, Guldruk, tu l'es pas? On est si près. Avec Amazon Prime, tu peux être abonné gratuitement. Un peu d'histoire. Du vin lemnien, de l'île de Lemnos, près de l'endroit où je suis né. Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon? Probablement. Ah, le mec, il boit cul sec. Ok, c'était un peu étrange. Hinting, ça fait des dégâts sur la structure et ça coupe ton mec. Ah, carrément. Ok, Père, merci. Pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas? Ouais, parce que c'est un déluge, il n'y en a plus des dieux. C'est juste que tu détestes tellement les dieux. Mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons. Comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? Petit, on va peut-être pas en parler. Oui. Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi la tête. Nous, on l'est. Car on est sage. Mm-hmm. Tu parles de plus en plus comme ton père. Prêt? Prêt. Oh. Viens. J'aime pas. Je sens que ça va me plaire d'être un dieu. J'aime pas où ça va nous mener. Je sens qu'à un moment il va savoir que son... Qu'est-ce que tu fais? Qu'il va savoir que son père jouera tout. On va où on veut, tout ce qu'on veut. Et maintenant on va rendre visite aux géants. Ah tu... Oui, maintenant qu'on connaît la rune qui mène à Jotunheim, on peut retourner à la porte sur le pic et utiliser le burin magique. Personne ne nous arrêtera cette fois. En avant! Genre, je suis sûr qu'il va, trouver que son père en fait a tué énormément de personnes. Et même des dieux, même son père, etc. Et ça va foutre la merde. Je suis sûr que ça va foutre la merde. Mais enfin. Rapportez-moi vite. J'ai des idées. Et pour le petit? Il faut qu'on tue plus de vagabonds. Avant-bras, non. Taille. Ah, la taille, on peut. On va avoir 3 runes. Mais est-ce que. On peut, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. Mais merde. À propos de cette autre chose. Bon, qu'est-ce qui s'est caché? Taille. Ouais, non, après c'est de l'or, on peut pas crafter l'or pour le moment. Quatre manches,
Très bien. Faites attention à vous. Si tu me fais une PS4 Pro et God of War, je passe en abonné. Ah ouais, carrément. Bah à la longue, au bout de... Si tu restes un abonné pendant... 6 ans, je me fais rembourser, je crois. C'est pas mal. Non, même... Un peu plus, peut-être. Lors d'une esquive, en avant pour effectuer une attaque tournoyante, sauter... Lors d'une esquive, maintenez un vers l'avant, pied sur R1. Ouais. Lors d'un sprint. Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal. Je l'utilise jamais ça, faut que je l'utilise en fait. Ah ouais, ouais, on va l'utiliser, ça fait une explosion. Cœur de Midgar augmente 6% de dégâts infligés par les attaques à main nue, non. Très faible chance de mener un don de défense ou aussi des dégâts, bof. Rune et récupération 5. On va mettre ça. C'est parti. Ouais, un petit giveaway à 400 €. Ouais. Putain. Après, ça me dérangerait pas de le faire si je pouvais en vivre du stream. Mais... là, on va éviter. Alors, fais voir un peu les attaques. Ok. Wow. Cool. Encore un nom. Rota. Comme si on en avait fait un hommage aux Valkyries. Va falloir qu'on tue toutes les Valkyries aussi. Là, on va s'amuser pas. Je vais dire à Sindri que je suis un dieu. J'ai hâte de voir sa tête. Non. J'ai peut-être gardé ton secret trop longtemps, mais maintenant, tu vas garder notre secret. Hmm. J'arrive toujours pas à les lire. Merde. Tu fais chier, gamin. Après, faudra retourner sur nos pas pour aller chercher ce qui nous manque. Pourquoi on devrait cacher notre vraie nature? C'est Odin qui garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets. Et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait et qu'il ferait pareil, petit. Ne t'inquiète pas. Petit, tu es impatient de découvrir la terre des géants? Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim, mais qu'il n'y avait pas de géants là-bas non plus? Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah! Ne bougez pas! J'arrive dans 2 secondes. Mère, je peux lui dire? Non. Me dire quoi? Tu as mis ces trous dans ta bouche? Oh, je vais vomir. Je rigole pas, je vais vomir. Ce n'est rien.
une histoire de famille. Oh. Oh. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi, et son travail ne vaut rien. C'est tout à fait ça. Et tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Oh oh. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi. Je vois. Oui. On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants. Très bien. C'était pas très gentil. Je vais examiner. Personne a remarqué qu'il y a un orage maintenant ? Ou c'est normal ? On est en Bretagne peut-être. Sûrement en Bretagne. Je ne garantis pas la qualité de mon travail cette fois. A plus, Goldo. Je n'ai sans doute rien d'utile à offrir. Oh. Oh, ok. Derrière toi, frère. Le gosse, il devient... Il pensait vraiment que ça allait nous arrêter. Il devient un peu trop... Bon, comment on monte ? Un but de sa personne, en fait. La justice des dieux. Ouais, refresh la page. Ce qu'on va faire là, on va aller ouvrir les coffres qu'on pouvait pas avec les ronces là, qu'on pouvait pas brûler en fait. Maintenant on peut. Ah là-bas il y en a, je crois. On va faire un peu le tour de la map. Il n'y a toujours pas de moyen d'enlever ce poison. Il y a sûrement un truc que j'ai loupé. Saphir, t'as une idée? Il y a du poison, qu'est-ce que je fais? Je mets un masque à gaz. Ça dépend de la vitesse d'accumulation de permafrost ou d'immolation. Ah, ça c'est les enchantements quand on tape avec la Léviathan ou alors la
Les lames du chaos. Pas super utile. Enfin, ça serait utile si on a besoin des éléments, en fait. C'est toujours bien bon à voir. Mais tu en as pas à cette époque. Ah, y a de la magie et tout. On peut peut-être avoir des masques à gaz. Hein. C'est bon, gueule. Pourquoi as-tu parlé aux nains sur ce ton? T'en as pas marre de les entendre se plaindre tous les deux? Si, mais faire de lui notre ennemi n'arrangera rien. Il doit connaître la vérité, même si ça le blesse. C'était inutile et cruel. La vérité est plus importante que la bonté. Ta mère ne serait pas d'accord. C'était pas une déesse. Waouh! Alors là, prends-toi ça dans les... dans la bouche, quoi. Depuis quand il parle sur ce ton, le gosse? Genre, ta mère serait pas d'accord. C'était pas une déesse, donc elle en a, elle a aucun mot à dire. Quoi. C'est, moi, je suis un dieu. Ma mère, non, donc elle ferme sa gueule. Quoi. La vache. Ça va mal finir. Bienvenue dans l'espace. Ok, on va devoir faire mumuse avec le vent, encore une fois. Est-ce qu'on va avec le vent? Ok, ça. Maintenir cercle à la place de R3, ça me permet de pas changer de cible en fait. Ok, la porte elle est là. Tu veux pas que je la porte à partir d'ici? Non. Pourquoi? On est presque arrivé, tu sais que je peux le faire. Tu es sûr? Après ce que tu viens de dire sur elle, j'en doute. Quoi? Que c'était pas une déesse? Elle était meilleure qu'une déesse. Et je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Très bien, t'as qu'à la porter. Ça va tellement mal finir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Explosion rapide d'énergie qui inflige une faible quantité de dégâts de brûlure. C'est une explosion. Augmente la taille. Ouais, bof. Je préfère faire tournoyer mes lames, c'est plus drôle. Oh non! Ça va être une Valkyrie, je pense. On va en chier. Il va se prendre une de ses claques. J'ai peur que le gosse soit plus puissant que Kratos au final. Je sais pas si c'est possible, mais...
Enfin, on verra. Ouais, il y a une Valkyrie. Le boss de fin, c'est le gosse. C'est l'enfant. C'est le gamin. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il est déjà là-bas, le gamin. Il a envie de tuer, hein. Il a très très envie de tuer, hein. Sûrement un corbeau aussi, pas loin. T'as encore une Valkyrie. On va la sauver, pas vrai? Si par sauver tu veux dire lui arracher brutalement les ailes, alors je vote pour. Assez, tous les deux. Je déciderai de la meilleure chose à faire. Kratos, je crois qu'il en aura le cul. Il en aura le cul, mec. A plus, Gull, bon app. Allez, c'est parti. Sois prêt à agir. Guerre Drifule. Oh merde. Oh putain, elle a le feu. Elle a... Wow, 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 wow. Ok. Ah. Elle a beaucoup plus de d'attaques rouges en fait. D'accord. On a eu la Valkyrie où c'est qu'il fallait la jouer à la Dark Souls, genre bloquer, parer. Enfin non, il fallait parer surtout. On a eu la Valkyrie qui invoque des monstres. Et maintenant on a la Valkyrie OP apparemment. Bien joué, Kratos. Bien, bien. Non. Frère, non. Là encore une fois, c'est bien. J'ai encore tout gâché, c'est cool. Sois prêt à agir. Non, ben là on recommence. Ah, je suis pas mort. Une retraite stratégique. Non, pas ça, c'est relou. Je vois que rien, c'est fou, elle me... Je bloque. Là, elle m'a pas touché, c'est bon. Mauvaise esquive apparemment, c'est bien. Ah.
rapprocher de Grèce. Oh la vache. Oh la vache, merde, pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Yes. Ah, tu le mérites, toi. Celle-ci fait plus de bruit que la dernière. Madame, je vous prie, que faisiez-vous sous cette forme physique? Pourquoi nous combattre? Je l'ignore. L'âme d'une Valkyrie ne peut demeurer pure dans un corps de chair. Nous appartenons au monde spirituel où je pars à présent. Au revoir. Au revoir. Les a mises dans cet état. Odin. Qui? Et pourquoi? Car c'est un connard. Je préfère ne pas m'avancer. Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. Tête. Ah, Sigrun, la reine des Valkyries. Elle en a le pouvoir. La dernière fois que je l'ai vue, elle était elle-même incarnée. Elle m'a rendu visite bien après qu'Odin m'eut emprisonné. Pourquoi? En fait, nous avons un passif, si je puis dire. Tu veux dire, un passif amoureux? Petit, tu vas me faire rougir. Enfin, si je le peux encore. D'abord, nous chassons ces créatures, et maintenant ton ancienne amante. Nous perdons notre temps. C'est pas une perte de temps. Père, ce sont des Valkyries. Ce sont elles qui empêchent les morts d'envahir Midgard. Dans ce cas, elles font mal leur travail. Ce n'est pas leur faute, mon frère. On les a changées, les empêchant d'accomplir leurs devoirs. La reine? Je n'en suis pas certain, petit. Nous devons continuer à les interroger. Si bien sûr nous en avons le temps. Petit cours d'histoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Imagine la reine. Ouais, la reine des Valkyries, bah c'est. C'est quelque chose qu'on fera vers la fin du jeu, quoi. Enfin, quand on aura peut-être fini le jeu, même. Quand on sera un peu plus puissant. Parce qu'après, je peux y revenir à ces monstres-là, mais ça va pas être drôle si je suis overpower, que je la défonce en 3 coups, quoi. Là, ça va, là, c'est faisable. Un peu chiant, mais faisable. Mais je suis quand même déçu pour le moment hein, des lames. Hein. Des lames de Kratos, hein, les lames de Kao. J'aime pas. Hein. C'est stylé, mais j'aime pas. Hein. Enfin, j'aime pas parce que c'est lent, surtout. Les animations sont extrêmement lentes. C'est très très dangereux de les utiliser. Sinon, je crois qu'on a débloqué des trucs. Les 4 réunis. 10 heures de stream, ouais, pour la reine. Il y en a pas que 4, il y a encore des salles que je suis pas allé voir. Hein. Donc il y en a plus que 4. Il y en a encore... je crois qu'il y a 8 salles en tout. J'en ai fait 4. Donc il reste encore 4 autres. Chance modérée d'obtenir un bref bonus de runes, force et défense à chaque coup réussi. Ouh, c'est bien ça. On est niveau 6? Ah yes, on est niveau 6. Au final, je pensais que l'orage, c'était lié à l'enfant, parce que en fait, il y a eu l'orage quand l'enfant s'est énervé. Mais je pense plutôt que les fils de Thor nous attendent au-dessus. Oui, c'est pour quand il y a plusieurs ennemis, les lames du chaos. Bah, ouais, mais même ça, c'est dangereux. Hein. Parce que les ennemis, des fois, sont pas vraiment stun. Et... Enfin, en difficulté God of War, quand ils te tapent,
C'est genre, c'est un camion qui te tape. Hein. J'ai fait que 3 Valkyries, pas 4. C'est quoi ça? Waouh, c'est quoi ces zombies? Bon bah allez, on va faire ça. C'est joli ça. Allez, allez, elles sont utiles pour cette, pour ce moment-là peut-être. Ouais, j'ai vu. C'est marrant. Il réagit un peu plus lentement quand c'est maintenir cher au lieu de R3. J'aime bien le close-up qu'on a des lames en fait, comme ça. Genre là, on voit tout le temps les lames enflammées de près. Ouais, j'aurais peut-être pu lutter sans les lames là. Elles peuvent nous empoisonner, mais c'est surtout leur bon qu'il faut se méfier. Oui. Mimir, si tu savais depuis le début qu'on était des dieux, pourquoi nous avoir dit qu'Odin essayait de nous suivre à Jotunheim avant qu'on y arrive? Ça paraît pas plus logique de penser qu'ils veulent nous tuer parce qu'on est des dieux et qu'on représente une menace? C'est une possibilité, mais le raisonnement d'Odin est subtil, et sa volonté est... Ne parle plus d'Odin et de sa famille d'imbéciles. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant, à être comme ça, maintenant? Pourquoi il est aussi énervé? Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Ok. Attention à vous. Le gosse, il est ultra vénère. Hop, oh, c'est pas fini. Sens divin le rend con comme Odin en fait. Bah. Apparemment. Désolé, il y a une petite coupure, apparemment. C'est bon, on est de retour. On est de retour. Il y a une petite coupure du live. Tout va bien. Tout va bien, on est de retour. C'est la faute de Twitch. Faut se plaindre à Jean-Bernard Twitch. Ouais, j'étais bien d'accord avec le fait que maintenant il sait qu'il est un dieu, donc il devient très très vénère, quoi. Il va finir comme son père à tuer tout le monde, en fait. Genre Kratos, il a tué tous les dieux de l'Olympe.
de Grèce. Et bah peut-être son fils il va finir par tuer tous les dieux du Nord. Hein. Pourquoi pas. Genre à eux deux, ça fait deux royaumes de détruits, c'est sympa. J'imagine qu'Odin est derrière ça aussi. Bien essayé. Mais tu vas fermer ta gueule ? Sandek, là tu deviens chiant par contre. Maman et toi, vous m'avez toujours dit que les dieux étaient mauvais. Mais pas nous. Ni Tyr, ni Freya. Mais les dieux As sont malveillants, eux. Et tu sais quoi ? Odin a raison. On est une menace. Parce qu'on sait ce qu'ils sont et qu'on peut les battre. Eh bien, pas tous. Pas encore. Magni a essayé de nous arrêter et il est mort. Ils sont pas meilleurs. Et ils vont regretter de s'en être pris à nous. J'aime pas du tout... J'aime pas du tout ce qui se passe. J'aimais bien le gosse. J'arrêtais pas de dire que pour une fois j'aimais bien un enfant dans un jeu ou même dans un film. Mais là, là il devient relou. Là. Il devient très relou. Faudrait que je réessaye YouTube. Pour les lives. Pas des trésors. Il va se faire retourner par Odin. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah! Thor me reproche à moi ce que vous avez fait à Magni. Mon propre père m'a traité de lâche. Il a fait plus que ça, on dirait. Pousse-toi! Où va finir ce qu'il a commencé? Je vais te tuer. C'est Anakin. Non. Il est vaincu. Nul besoin de le tuer. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. J'ai dit non. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Carrément. C'est ce que j'ai dit à ta mère juste avant de la prendre. Atreus ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Il coupe bien mieux que celui de maman. Tu as tué contre ma volonté. Tu as perdu le contrôle. Tu m'as pas appris à tuer. Je n'ai fait que t'apprendre à survivre. Nous sommes des dieux, Atreus. Ça fait de nous des cibles. À compter de ce moment et pour toujours, tu seras marqué. Je t'ai appris à tuer, c'est vrai. Mais uniquement pour te défendre. Jamais pour le plaisir. Tout le monde s'en fichait de lui de toute façon. Qu'est-ce que ça change ? Tuer un dieu est lourd de conséquences. Pourquoi ? Comment tu le sais ? Comment tu le sais ? Surveille tes paroles, Atreus. Peu importe. Waouh ! Ah bah ça a vite tourné, hein. Oh la vache. Bon, et de deux. Voilà. Il reste plus beaucoup. On avait tout fait ici. Pourquoi tu pars de ce côté ? On a raté quelque chose ? Chut, arrête de me parler, putain. Non, tu me parles plus, je t'aime plus. Je te renie, c'est fini, je veux plus te parler. Tu m'as gavé. Poison, eux.
Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Il nous manquait de la vie de toute façon. Même quand je le tape, il peut rentrer dans le sol, intéressant. Ça devient pénible. Tu mérites une baffe. Garde tes plaisanteries, Atreus. Si Maudit nous a trouvés, Baldur ne doit pas être loin. Tant mieux, j'aurai quelques mots à lui dire. Non, pas question. Je m'occuperai de lui. Tu veux dire que tu vas le tuer? C'est le sort qu'on réserve à nos ennemis, non? Parce qu'il nous tuerait aussi. Je ne ferai que ce qui sera nécessaire. Et je t'aiderai. Non. Oh la vache. En plus, le gamin à la coupe de Kendrick Ghost. Pas encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'en tuer, hein, à lui tout seul. C'est inquiétant quand même. Non? Parce que moi, il faut que j'utilise la rage pour les one-shot. Et encore, je suis même pas sûr que un rocher les one-shot. Le gosse, il vient de one-shot un mec. Oh la vache. Ça part tellement en couille. C'est quoi ça? Ah oui, cette salle. Il nous faut un autre moyen de monter. Tu veux pas tirer des flèches au lieu de taper au corps à corps? Qu'est-ce qui t'arrive? Le gosse il m'écoute plus hein. Il veut pas tirer de flèches. Et il a... C'est énorme, le gosse il m'écoute plus du tout. Oh la vache. Ah bah non, là j'ai des problèmes de parents là. Arrête d'invoquer les loups, j'ai pas demandé. Arrête, le mec il dit arrête. Tu rends la tâche pas plus facile, gosse. Hein. Arrête d'invoquer. Oh, de merde. Aurais-tu oublié ton entraînement? Ah, tu me parles? Je croyais que t'aimais pas mon ton. Oh, ça devient super relou. C'est énorme.
Ouais, là c'est l'adolescence d'un dieu, là c'est encore pire. C'est bien. Il va finir par nous faire crever, hein. Ouais, Goldo. Appelle Pascal le grand frère. J'apprendrai que si tu m'enseignes. Tu n'as pas besoin de mes leçons. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et je voulais seulement la vérité. Où as-tu eu tes lames de feu? Pourquoi les cacher? Tu m'as dit que tuer un dieu n'était pas sans conséquence. T'en as tué un avec ses lames? Beaucoup, même. Qui d'autre t'a tué avant Magni? Combien d'autres? Tu m'entends? Je t'entends, et je ne souhaite pas en parler. Ne me pousse pas à bout, Atreus. Bien. Mimir, bonne nouvelle. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai plus rien à apprendre. Ah, félicitations. Mimir, c'est un peu genre le grand-père de la famille. C'est un peu le grand-papa de la famille et la voix du sage, mais je crois qu'il en a, il a un peu des problèmes aussi à gérer le gamin. Je peux rien faire, je peux pas ranger mes lames, je peux pas faire mes augmenter ma rage. Qu'est-ce qu'il a? Ah, vas-y! Ah! Vas-y, débrouille-toi! Hein. Tu m'écoutes pas. Ah, ça y est, il me roule. Ah, ça y est. Attention, derrière toi! J'ai dit d'invoquer les loups, putain de merde. Ok, comme un con.